Voilà comment nous tiendrons tête à Technicali. En milieu de terrain, Twisting Tiger est le plus rapide. Et le plus rigolo. Ma tête fait peut-être rire, mais sa mine n'a pas l'air de rigoler. Le nouveau milieu de Technicali, John G. Johnson Jr., ne fait pas le poids face à Tiger. Technicali n'a rien à opposer à Rasta, pas même Kyle Kowalski. Poste pour poste, nous avons toujours été meilleurs que Technicali. Jusqu'à maintenant. Et voici ce que nous sommes capables de faire. Tu as du pain sur la planche. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest. Give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Les dernières performances de Shake ont fait dire aux critiques que quand on ne marque pas de but pour son équipe, on n'a rien à faire en Super League. La dernière fois qu'on a joué contre Technicali, Chipperson était inexistant. Comment s'est-il amélioré à ce point? Je dois trouver un moyen de reprendre l'avantage sur lui, ballon au pied. Ce précieux objet de collection voyagera en direction de LA. Et presque en même temps, les Super Strikers s'y rendront pour rencontrer Technicali. Le manuel secret d'entraînement des Super Strikers sera exposé au musée du beau jeu dans la ville de Los Angeles. Le manuel est l'objet de collection le plus précieux qui soit pour les Super Strikers. Strikerland le met à disposition du musée pour une durée limitée. Heureusement pour les Super Strikers, il sera dans une vitrine fermée. Les Super Strikers vont bientôt arriver. J'ai une très très importante mission à te confier, mon jeune ami métallique. Va chercher. Bientôt tous les joueurs de Technicali seront aussi effrayants que toi, Chucky. Le vol 232 vient d'atterrir à Los Angeles. Bienvenue aux Super Strikers. Je vois qu'ils m'en ont réservé une. Tu sais que je veux devenir acteur plus tard. Le temps est venu pour une nouvelle équipe, un nouveau jeu, un nouvel ordre. Les honneurs de la Super League attendent Technicali. Ce sont de vraies phases de jeu. Technicali n'a jamais joué comme ça avant. Mais non, ce sont des images trafiquées. On est à Hollywood après tout. Qu'est-il arrivé à cette équipe?
11 joueurs héroïques, une seule équipe, Technically. Pas d'inquiétude, Shakesman. Le coach nous a préparé un bon vieux programme d'entraînement à l'ancienne. Tu t'améliores, Shakes. Oh, pas de problème pour dribbler ces vieux robots, mais... avec Chuck T. Chip, au oh. Enfin bon, il se peut que tu doives encore travailler sur ta concentration. Oh. La vérité, c'est que j'ai un peu peur d'affronter Technically. Il n'a fallu qu'un seul match à Chipperson pour devenir une légende. Ah, mais un seul match ne suffit pas à fabriquer une légende. Klaus a raison, Shakes. Les Super Strikers ont une longue tradition du jeu et une immense expérience. Et ça, c'est une chose que Technically peut seulement nous envier. Tu comprendras mieux demain matin. Nous allons visiter un endroit très intéressant avant le match de demain soir. Coach, on l'a déjà vu, mon étoile, sur Hollywood Boulevard. Il veut parler du musée dédié aux beaux jeux. Waouh! Le manuel secret d'entraînement des Super Strikers contient les 11 phases de jeu originelles des premiers Super Strikers. Et chacune de ces phases de jeu a la réputation d'être redoutable sur le terrain. Et chacune de ces phases de jeu a la réputation d'être redoutable sur le terrain. Coach! Chut! Coach, je pourrais m'inspirer du manuel secret d'entraînement? Certainement pas, Shakes. Il faut laisser le passé là où il est. Mais coach... Tu veux savoir ce qui fait d'un joueur un champion, Shakes? Regarde autour de toi. Oh, vous avez raison, coach. J'ai compris. Certains disent que ce fut le plus beau match jamais disputé. Wow, en dépit de certaines actions qui le poursuivaient tout au long de sa carrière. Une décision qui fut plus tard annulée par le conseil de la Super League. Marquant qui... le but décisif dans les toutes dernières secondes des et arrêts rien de jeu. Ne peut être comparé au fait de soulever le trophée de la Super League. Ce grand héros du football, qui portait le numéro 11, restera dans les mémoires comme l'un des joueurs les plus créatifs de tous les temps. Il pouvait occuper n'importe quelle place sur le terrain, et ce, avec un égal bonheur et la même réussite. Je serais content si je pouvais réussir à occuper une seule place. Hein? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Hein? Juste un rapide coup d'œil. Quoi? J'ai comme l'impression que Tony Vern est derrière tout ça. Oh mec, qu'est-ce que tu as fait? Plus tard, North. D'abord, il faut qu'on arrive à pénétrer dans le hub. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu veux qu'on entre dans le hub plus d'une heure avant le début du match parce qu'un robot en forme de chien a volé le manuel secret d'entraînement des Super Strikers? Exactement. Et c'est moi qu'on traite de fou. Laisse-la dehors, North. C'est ça. Et toi, tu accepterais de perdre ton âme, mec? Si on trouve Tony, on retrouve le manuel. Ouais, lui et son robot canin si perfectionné, hein? Tu es maintenant sous mon contrôle. Écoute attentivement. North, mate un peu ça. J'essaye, mec. On dirait des fantômes. Des fantômes, des chiens robots, mais bien sûr, mon frère. Et après, c'est quoi? Le retour de la vengeance du fantôme du chien robot? Tu es le meilleur joueur qu'on ait jamais vu évoluer.
Tu peux reproduire chaque action de chaque joueur célèbre. Bon chien, assis, donne, Il faut que j'entre de nouvelles données dans la mémoire de ton système. Avez-vous jamais voulu connaître chaque phase de jeu que les Super Strikers ont inventée? Maintenant, les secrets du manuel secret d'entraînement des Super Strikers vous appartiennent! Et c'est gratuit! Il est en train de leur apprendre les secrets du manuel d'entraînement des Super Strikers. Mais normalement, c'était mon idée! Ton idée pourquoi? Te rendre ridicule? Mais attendez! Ce n'est pas tout! Il manque une page. C'est pas grave. Désormais, Technicali connaîtra la parade à chaque phase de jeu que le Super Strike s'est jamais inventé. Les hommes en rouge n'ont plus la moindre chance. Mec, je suis vraiment mal barré. Ma planche et moi, on est coincés dans une bouche de ventilation à espionner quelqu'un ou quelque chose que j'arrive pas à voir. Il est temps de mettre les voiles. Non, je ne pars pas d'ici sans ce manuel. Ok, ok, on dégage, on dégage. Mais oh, tu vas te calmer. Dépêche. Alors maintenant, Maître Shakes pense que Tony Verne a comme par magie programmé chaque phase de jeu inventée par les Super Strikers dans ses joueurs sous hypnose. Pas toutes les phases de jeu. Hein? Shakes, tu l'as arraché au manuel d'entraînement? Qu'est-ce qui prend de détruire l'objet le plus cher au cœur des Super Strikers? J'ai essayé d'empêcher le chien robot de le dérober. C'est cela, oui. C'est la seule phase qui nous reste. Et encore, on n'a même pas la page entière. Je connais cette phase de jeu. Quoi? Shakes, je connais cette phase de jeu. C'était vous le numéro 11? Oh! Vous devez nous enseigner cette phase de jeu, coach. C'est la seule que Verne n'ait pas gravée dans l'esprit de ses joueurs. Shakes, je ne veux qu'une chose là tout de suite. Je veux que tu rentres sur le terrain et que tu joues ce match. Que tu le joues à ta manière. Eh bien, Mac, les Super Strikers pourraient avoir du mal ce soir, si Technicali tient toutes les promesses entrevues durant la campagne de publicité. Ou si tous ces joueurs parviennent à égaler Chuck Chipperson. Ouais, ce sont juste des joueurs comme les autres, mec. Tu vois, ils sont à cran. C'est la tension de la Super League, c'est normal. Quel tacle impeccable! Le style de ce tacle me rappelle un peu Golari. Hein? C'était il y a longtemps, vous vous souvenez? Intéressant! Technicali a une emprise totale sur ce match, comme si ses joueurs savaient ce que les Super Strikers vont faire et longtemps à l'avance. On dirait que Technicali a bien étudié son adversaire. Mes joueurs connaissent chacun de vos trucs, les Super Strikers, ainsi que ceux de chaque joueur de chaque équipe de la Super League. Et vous n'y pouvez absolument rien. But! Impeccable. Peuvent-ils rendre les choses encore plus difficiles pour les Super Strikers? Ils n'ont pas l'air très enjoués. Hé, mon frère, sans rancune. Yo, man, qu'est-ce qu'ils ont? Ils jouent comme des malades, mais ils se conduisent de façon bizarre. On dirait la... Ouais, la nuit des morts vivants. Des zombies. Ouais, comme si... C'est comme si on les avait hypnotisés ou un truc du genre. Mais c'est parce qu'ils sont hypnotisés.
Tony Vern leur a fait subir un lavage de cerveau avant de leur apprendre toutes ces phases de jeu. Et toutes les nôtres. Hey, Shakes, hein? Pourquoi tu nous le dis que maintenant? Oh. Hey, mes frères, je crois que nous devons à Shakes des excuses. Je connais Chuck Chipperson depuis un bail. Et je peux vous assurer que c'est pas lui qui joue ce soir. Coach, vous devez nous enseigner cette phase de jeu du manuel secret. C'est notre seule et unique chance. D'accord. C'est simple, mais génial. 1. Je crois que le jeu des Strikers a repris du poil de la bête. Hein. Simple, mais génial. Et c'est Shakes qui se charge de l'égalisation. Cette action a laissé les joueurs de Technicali sans ressources. Les zombies tournent en rond. Le match semble tourner en faveur des Super Strikers, c'est certain. Comme si Technicali découvrait un nouvel adversaire. D'où sortent-ils cette phase de jeu? Je vais leur montrer. Ils croient qu'ils peuvent me berner, mais ils ont tort. C'est la mi-temps ici au Hub, et les Super Strikers sont stupéfiés Technicali avec cette phase de jeu incroyable et inédite. Avec ce ralenti, vous allez apprendre cette phase de jeu sans tarder. En ce début de seconde mi-temps, les Super Strikers sont toujours au-dessus. On la refait. Simple, mais génial. Oh, oh, pas cette fois. Comment ont-ils pu anticiper? Il faut tout reprendre à zéro. Aucune des phases de jeu habituelles ne marche. Technicali domine complètement le match. Si personne se glisse dans la surface, il tire et marque! Technicali mène par 2-1. Serait-ce le coup de grâce pour les Super Strikers? Ils connaissent notre action secrète, coach. Vous en connaissez d'autres? Bien sûr! J'en connais des millions. Mais je ne vous en parlerai pas. Quoi? Mais il nous les faut! Vite! Vous n'en avez pas besoin. Écoutez-moi, vous n'êtes pas des copieurs. Ce n'est pas en copiant qu'on devient de grands joueurs. Nous devons retenir les leçons de l'histoire, pas les répéter. Technicali ne sait pas innover. Il ne peut pas évoluer. Ces joueurs ne sont que des copieurs. Ouais. Alors retournez sur le terrain et jouez le jeu qu'ils n'attendent pas. 1, 2, 3, Super Strikers! Apprendre de l'histoire, sans la répéter. Le coach a joué à chaque poste. Qu'est-ce que je peux retenir de ça? Une minute. À chaque poste? Rasta! J'ai une idée! Il se passe quelque chose de très étrange. Les Super Strikers semblent avoir échangé leur poste. Rappelez-nous d'où les Super Strikers tiennent cette idée. De la finale de la Super League, il y a bien des années? Ne vous moquez pas, Brenda. Je n'arrive pas à me rappeler. N'est-ce pas étrange? C'est du jamais vu. C'est fou! C'est fou, mais bien joué. Du coup, l'adversaire semble un peu perdu, non? Shake s'adresse un centre à Cool Joe. Et Cool Joe qui reprend de voler. But! Tiger centre. Et c'est Block qui tente sa chance. Technicali remonte le milieu du terrain. Mais les joueurs se heurtent à... North Shore. Oh là 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 là. Je crois qu'à chaque fois qu'un Super Strike change de poste, il invente un nouveau truc. Aucun joueur de Technicali ne parvient à trouver son adversaire direct. Mais que diable Block fait-il si loin de sa défense?
Il ne va quand même pas. Oh que si! Incroyable but marqué par Block et sans forcer en plus. Les Super Strikers sont encore sortis un tour de magie de leur chapeau. Ouais. Je crois que les hommes en rouge viennent d'écrire une nouvelle page d'histoire ici au Hub. Où suis-je? On a gagné. J'ai fait un rêve complètement fou. Mais qu'avez-vous fait? On dirait que tu n'es pas le meilleur ami de l'homme. Tu es le seul ami de cet homme. Hey, assis, assis, donne, lâche ça, donne le livre à papa. Bon chien. Comment est-ce arrivé ici, hein? Allons, viens maintenant, reviens papa, c'est bien.